Mais c'est qui l'immense frigo? Mais je râle! Mais personne m'aide! Eh oh, qu'est-ce que vous faites là? Tu m'aides toi? Ben allez, aidez-moi! Je vais quand même pas me taper le déménagement tout seul! Allez, vas-y! Eh oh, et toi là, au lieu de te prélasser là? Non mais j'y crois pas! Personne m'aide à ce déménagement! Coucou, papa Élie! Coucou maman, ça va? Ça va et vous? Oui, ça va bien, tu vois. On est en train d'imaginer une histoire avec les Sylvanian. C'est bon! On imagine qu'on fait un déménagement de la grande maison et qu'on emmène tous les meubles vers une autre destination. Sauf que moi, je suis tout seul et personne m'aide. Oh, ah, maintenant c'est bon, j'ai une aide. Bon, Papounet, je peux te proposer un petit peu de main-d'œuvre. Ah bon? Oui, ça te dit de découvrir des nouveaux Sylvanian? Ils vont peut-être t'aider à déménager cette maison quand même. Ah bah oui, parce que ceux qui sont là, franchement, ils se la coulent douce. Mais regarde, c'est toi, il veut t'aider. Ah bah allez. Alors si en plus on a de la main-d'œuvre, allez, générique. Non mais personne m'aide encore là, je porte la maison quand même, je me sens escargot tout à coup. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Nous revoici, t'as vu ma monnaie, c'est pris pour un escargot. Oui, tout à fait. Pourquoi tu portes la maison? Bah parce que je la déménage aussi, voilà, c'est comme ça, je suis Hulk, je suis très très fort. Et donc je porte la maison sur mon dos. Bon ma monnaie, tu m'avais dit qu'on aurait de la main d'œuvre. Je quoi? T'es comme un escargot. Je suis comme un escargot, j'ai ma maison sur mon dos. Ben oui Papounet, on va avoir de la main d'œuvre. On va ouvrir des nouvelles familles Sylvanian. Mais c'est cool, attends, faut que je fasse un peu de place alors. Explique-moi, c'est quoi cette nouvelle famille? Ces nouvelles familles Sylvanian? Alors j'ai pris deux kits avec des familles complètes. On avait eu dans une précédente oui, je me souviens Mamounette, on avait fait un haul avec toute la famille et on avait ramené plein de choses de chez Leclerc et Jouet Club. Il y a des petits chinchillas. Voilà, donc en fait c'est pas des chinchillas, mais regardez, on va ouvrir la famille Chihuahua. Trop mignon. Regardez, on a le papa, la maman et les deux enfants. Non mais t'inquiète, il va revenir. Qu'est-ce qu'on a après, Doudou? Les cochons d'Inde. Les cochons d'Inde, regardez. On a le papa et la maman et les deux bébés qui sont dans des porte-bébés. C'est trop mignon. Alors en fait, Élie a dit que c'est des cochons d'Inde, mais c'est écrit Splashy Otter. Et comme on sait pas ce que c'est... Des Splashy Otter. Et comme ça ressemble à des cochons d'Inde, et bien on a dit cochons d'Inde. Otter, ils sont trop mignons. Ils ont des têtes un petit peu de... Des hamsters un peu. Hamster, ouais. Allez on ouvre. Alors, je te laisse ouvrir si tu veux. Alors, c'est quoi, on va faire un peu de place parce que là on n'y arrive pas. Oui, au milieu des meubles et tout ça, là c'est... De toute façon les déménagements c'est toujours le bazar. C'est le bazar. Moi je mange des cheveux d'Elie, donc tu vois, c'est que j'ai très faim. Alors c'est vrai que les déménagements, ma monnette, c'est toujours le bazar. On a toujours des cartons, tout le monde est là. Je te prends ça, non c'est moi. Il y en a qui regardent, il y en a qui mangent, il y en a qui portent plein de trucs. Bref, c'est le bazar complet. Et après, quand on est dans la nouvelle maison ou dans le nouvel appartement, c'est encore le bazar parce que les cartons ils s'entassent et tout, on sait plus où on met les choses. Alors on retrouve une casserole dans la chambre, on retrouve n'importe quoi, des draps, n'importe où. C'est ouais, ça, mais l'avantage du déménagement c'est que ça permet de faire du tri. Oui, parce qu'après on se dit bah ça finalement on jette. Voilà, je le donne. Ouais. On recycle. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. J'ai délivré un petit bébé. Oh, regarde ma mounette. Alors, ça c'est la famille cochon d'Inde. Regardons la queue, je suis pas sûre. Hein. Peut-être plus hamster. Hamster. Voilà, regardez le papounet. Il porte le premier jumeau en écharpe en fait, dans un porte-bébé. C'est trop mignon, il a une petite salopette. De toute façon, les Sylvanian Family, c'est toujours très très beau. Waouh. Et alors avec Élie, on se baladait l'autre fois sur internet et on a vu les vintage des années 80. C'est vrai ? Et ben ils ont évolué quand même. Et alors au tout début, les Sylvanian, c'était Tommy qui faisait ça. Est-ce que tu le savais ? Je ne savais pas du tout. C'est Tommy, les jeux Tommy. D'accord. Ah, je croyais que c'était un petit garçon qui s'appelait Tommy. Non, le papa et la maman. Et la maman, elle a plus son petit bébé ? Normal, on l'a nous. Tu me l'as piqué, Doudou. Il dort. D'accord, donc la maman, normalement, elle a le même bébé en écharpe, pareil, dans un porte-bébé. Tu me le montres? Et tu sais quoi, maman, le porte-bébé, c'est un poisson. Oui, regardez, le petit poisson. Et en fait, c'est tout simple, avec un élastique, on le passe autour de sa tête, en écharpe, comme ceci, et comme ça, il est porté.
Trop bien, super cette petite famille, franchement, trop mignon. Et alors je leur souhaite bon courage avec les petits jumeaux là, parce que deux d'un coup, merci. Ouais, ça fait beaucoup d'eux. Hein. Regarde Ramonette, on est en train d'ouvrir la prochaine famille. Alors on est sur les chihuahuas là, donc là c'est le petit garçon. Trop mignon, c'est pas le papa ça, c'est le petit garçon. Ça c'est le petit garçon, oh oui, il est tout petit. Oh regardez, trop chou. Alors les chihuahuas, ils ont des grandes oreilles en pointe un petit peu comme ça, trop sympa. Tu parlais cool. du papa, le voilà, regarde, il lui ressemble beaucoup. Oh oui, hein, bah, tout fils, à fait, c'est le même en plus grand en fait, regardez. Hop, il a quelques centimètres supplémentaires. Et puis bon, il porte quand même une chemise avec une cravate. Il est en chemisette, monsieur, le petit pantalon. Et la maman aussi est très élégante. La maman, elle est en robe, elle est trop belle. Voilà, elle fait la même taille que le papa. En fait, c'est le papa identiquement, sauf qu'il a une robe. Trop et cool. voici la petite sœur. Oh, la petite fille. Oh, elle est trop belle, sa robe. C'est pas la petite sœur, c'est une petite fille. Ah, pardon. C'est une petite fille. Ah, pardon, j'utilise pas les termes adéquats. Allez, les chihuahuas, allez aider papa à déménager. Ah ouais, là, c'est bien. Souviens, dans ce hall, on avait découvert les petites pochettes Baby Shopping Series. Wow, génial. Donc, on va les ouvrir. Il y en a 9 à collectionner. Donc, du coup, tu avais acheté 9 pochettes. Ouais. 1, 2... 3, non, mais arrête, il y en a trop. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la 9e papounet s'était craquée comme d'habitude. Il avait repris une pochette Baby Band Series. Vous savez, c'était une précédente vidéo. On avait ouvert au moins 6-7 pianos là, comme ça. Je m'en souviens très bien. Alors, voilà. Avant de vous montrer celles qu'on a obtenues, regardez toutes celles qui existent dans cette série. Alors, on a un petit lapin avec une baguette. On a un petit chat avec un chariot. On a un autre petit chat qui est sur une caisse enregistreuse. Un petit ours avec une glace. Un koala, oh, il est magnifique, avec un petit panier de course. Un petit lapin avec des œufs. Une autre sorte de petit lapin. Ensuite, oh non, on a un petit panda avec des pop-corn. Oh, il est trop beau. Et on en a un mystère. Le 9e mystère. Ouais, t'as vu ? Je crois qu'on a le mystère. Tu crois qu'on a le mystère ? Regarde, est-ce que tu retrouves là-dedans ? C'est lui. C'est lequel qu'on a? Oh, alors c'est le thème de la nourriture un petit peu. Oui, en fait, ce sont les petits enfants qui jouent à faire des courses. J'ai l'impression qu'ils jouent à la marchande. C'est ça. Oui. Alors lequel on a là? Parce que j'ai pas vu. Ellie, elle l'a caché. On a vu. Mais je veux. Tu veux un ciseau? Oui. Bon, ok, un ciseau, pourquoi pas? Oui, parce qu'ils sont dans des petites pochettes polystyrène, non? Non, même pas, regarde, tiens, regarde. Ah oui, c'est leur accessoire qui est dans une pochette. Tiens, ma monnette. On a eu le lapin. Donc, nous avons ouvert le petit lapin avec sa petite baguette de pain, si j'ai bien compris. C'est ça. Oh non. Non, mais il est trop beau. Il est trop beau, hein. Alors, il est en position assise. Et alors, s'il est assis, voilà, les Sylvanianes, vous pouvez pas bouger les jambes. Hein. Quand ils sont assis, ils sont assis. Regardez la petite baguette, comme elle est trop bien faite. C'est un boulanger. Oh, waouh. On dirait trop une vraie. Oh non, c'est trop mimi. Bon bah super, super pioche. Il joue au boulanger. De toute façon, on n'en avait pas, donc forcément on n'avait pas de boulanger. On en a un autre? On a le doigt. Ouais, on en a un qu'on n'a pas, Mamounette. Avec un chariot. Avec un chariot? Ah, on a celui-là, Mamounette. D'accord, le petit chat avec son chariot. Ouais, on va vous le montrer. Alors Ellie, c'est devenue une virtuose du ciseau. Les petits copains de copines, si vous avez à utiliser le ciseau, eh ben, demandez plutôt l'aide d'un adulte. Alors là, apparemment, on a... qu'est-ce que c'est? Une petite souris? J'arrive pas à voir. C'est un chat noir. Un petit chat noir? Chat noir. Ladybug et chat noir. Puis il n'y a pas longtemps de ça, ma monnette, c'était Halloween. Donc toi, chat noir, Halloween. Alors ils disent, ouais, ils disent que ça porte malheur. C'est pas vrai. Aucun chat ne porte malheur. Moi j'ai déjà eu des accidents de voiture alors que j'avais pas vu de chat juste avant. Tu m'as pas prévenu, ma monnette. Non, moi j'y crois pas. Aucun animal ne porte malheur, d'ailleurs rien ne porte malheur. Ce sont des superstitions, les petits copines. Faut surtout pas croire à ça. Alors, à la limite, on peut croire à des choses qui portent bonheur, ça c'est sympa. Mais il n'y a rien qui porte malheur, c'est pas vrai. Ça, c'est une invention humaine. Oui, moi je passe sous les échelles. Hein, non, moi aussi, elle tombe jamais. Hein. Alors, ma monnette, tu nous le montres, ce petit chat, c'est oui, quoi? Tout à fait, c'est un petit chat noir, regardez, il est trop mignon. Comme Ladybug et chat noir. Oui, tout à fait, regardez, il est trop beau. Et alors, il a la petite barboteuse des Sylvanianes, ça c'est leur marque. C'est trop mignon, trop chou. Et alors, est-ce qu'on aura le chariot un jour, Ellie? Alors, demande à papa. Je touche sinon. Alors, en fait, c'est qu'elle adore utiliser ciseaux parce qu'en fait, il y a juste un petit scotch à enlever. Mais oui. Hein, c'est juste pips. Il a l'air trop beau, ce petit chariot. Oh. Voilà, ma monnaie. Alors, regardez bois, le petit chariot. En plus, il y a une petite tête de chat sur chaque face. C'est trop mignon. Regardez, oh là là, il tire son petit chariot.
C'est trop chou. Bah ça c'est parti pour les histoires. En plus il peut même se mettre dedans. C'est celui qui... Tata. Ah, on a la caisse enregistreuse apparemment. Un sou? Oui, tenez un sou, voilà, quelques euros. Ah, c'est cool. Donc apparemment, Mamounette, on a la caissière. Bon, trois différents, on a de la chance. Alors la caissière, c'est un petit chat, d'après ce que je vois. Oh, il est trop mignon, regardez le petit copain. Oh, bah lui aussi, il est en position assise, regardez, il est trop chou. Oh oui, de toute façon c'est trop mignon. Même les enfants ils vont t'aider à porter les choses. Et alors les Sylvaniennes, on peut toujours les déshabiller si on veut leur changer leurs vêtements. Voilà, c'est des petits scratchs, des petites attaches élastiques, on peut tout changer. J'y arrive avec le doigt. Ah ouais, bravo. Et la petite caisse enregistreuse, regardez, elle a également une tête de chat. Elle est trop mignonne, regardez, il y a même la petite queue derrière. Trop chou. Bing, 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 bing. Bon, elle est aussi grosse que le chat. Trop rigolo. Tu sais qu'Elie a beaucoup de Sylvanianes. Oui. J'ai trouvé les parents, regarde. Mais oui, bien sûr, de toute façon, ce sont des animaux. Ouais, oui, c'est génial. Et là, c'est qui, là? Un chat blanc. Un chat blanc, t'as trouvé? Ah oui, mais elle a les oreilles noires. Oui, mais c'est pas grave. Oh, la petite caisse enregistreuse, c'est trop sympa. C'est vintage, hein, t'as vu, c'est des anciennes caisses enregistreuses. C'est sympa. Oh, regarde, ils sont parents. Alors, est-ce qu'on a un double? J'ai son bébé. On n'a pas de double, c'est pas un double. J'ai son bébé. C'est vrai. Et j'ai sa maman. T'as sa maman. Et sa sœur. Oh, c'est génial, c'est génial. Aussi. On va pouvoir faire de grandes familles, Mamounette. Ça va être génial. Quand vous ouvrez la petite pochette, en fait, vous avez ce petit emballage en plastique. Hein. Voilà, vous l'ouvrez, c'est des petites pressions comme ça, et à l'intérieur, vous libérez votre Sylvanian. Regarde le petit ours. Oh, c'est cool, encore indifférent. Regardez le petit ours, lui, il est très simple, très sympa. Ok. Et avec venait. Alors, je pense qu'on en avait déjà, hein, des ours. Une glace. Mamounette, ils vendent des glaces. Oh, au moins, cool. Il en mange une. Mm-hmm. Déjà. Déjà. Alors, Elie est en train de sortir. Regarde, Mamounette, voici la glace. Oh, un cornet. Oh, la petite glace. Ah, une boule. Alors, si tu me rends le petit ours. Ah, tu veux l'ours? On va pouvoir lui l'accrocher normalement sur sa petite patte. Regardez, il y a la petite anse. Voilà. Oh, le gourmand. Et puis c'est sympa, la glace, elle a une tête d'ours également. C'est sympa, c'est les sympa. Petits accessoires sont souvent à l'effigie de la petite figurine. J'adore, j'adore. Il reste 4-5 encore, Mamounette. Waouh. Dont un qui est de la série précédente. Ouais. Alors bon, on les avait pas tous eus dans cette série avec un coup de bol énorme. Énorme coup. On aurait peut-être un différent. On l'a pas non plus. Mamounette, j'ai l'impression qu'il y avait que des différents dans ce que j'ai acheté. Trop cool. Trop bien. Alors fais voir. Peut-être qu'on aura le mystère. Oh, attends, dis-moi pas que c'est lui. Oh, c'est lui. C'était mon préféré, Mamounette. Moi aussi, c'est mon préféré. Ah ouais, il est trop mignon. C'est un petit lapin avec des œufs. Mon préféré, c'est lui et lui. Alors, vous allez voir, il est trop mignon. Il a des œufs et peut-être même qu'il a deux accessoires. Parce que là, je vois deux accessoires sur la pochette. Je vois du lait, de la fraise peut-être, de la fraise et des œufs. Oui, il y a de la fraise parce que Elie, elle a jeté le petit autocollant avec des fraises qu'il faudra coller sur un accessoire, je pense. On va le coller. Alors, voyons voir. Oh, regardez, il est à quatre pattes. Oh, trop chou! C'est un petit lapin à quatre pattes, regarde Mamounette, il est trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Oh, cette bouille. Oh, il est trop chou. Quatre chats. Trop mignon. Franchement, il est super mignon. 44 chats. Qu'est-ce qu'elle chante? Je sais pas, 44 chats. Ah, c'est un dessin animé qui passe sur les zouzous. Ah bon, 44 chats. Sur la télé. Oui, la télé, la télévision, c'est les zouzous. Bah, moi, je le connais pas, Mamounette. Et ben, moi non plus, je connaissais pas ce dessin animé. On avait découvert des jouets 44 chats au showroom Smoby Papounet. Ah bon? Eh d'accord. Oui, on en a vu tellement qu'on a oublié, mais je m'étais dit, tiens, je connais pas. Et puis finalement, l'autre fois, en regardant les zouzous, on s'est dit, eh ben oui, c'est un dessin animé, et Elie, elle adore. Mais la mémoire t'est revenue. Je me suis dit, mais je connais, j'ai déjà vu ça quelque part. Regardez la petite boîte d'œufs. Oh, c'est chou. Trop mignon. Ok, super sympa. Et là, Elie est en train de coller l'autocollant sur la bouteille. Mais c'est bien collé, nickel, rien à dire. Regarde Mamounette. Oh, c'est une brique de lait à la fraise. Miam, 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 le lait, c'est très, très bon. Un petit peu le candy up, là, tu sais, la fraise. Trop chou. C'est quoi là? On l'a pas non plus! Ah, le koala! Il est là, tout à fait. On n'aura pas eu encore le mystère, Mamounette. Hein. Avec un peu de chance, on l'aura. Oh, j'aimerais trop. J'espère que c'est lui. Bah, j'espère aussi. Bah, lui, on l'avait déjà eu. Ouais, je me suis trompé, Mamounette.
Bon alors, tu nous le montres, ce koala. Mamounette, elle est comme une dingue parce qu'elle adore les koalas. Bah oui. Le koala. Alors, je sais plus où il est, le koala pet shop, il est là. Regardez, Ellie, pour nous faire une blague, tu nous avais dit, ouais, j'ai un koala déjà. Et bah, tu sais quoi, Mamounette, il lui ressemble pas mal. Oui, j'ai vu sur la petite pochette. Il lui ressemble. Bon, il a pas la même couleur. Il ressemble gris. Beaucoup à mon doudou. Mais il ressemble. Oui, il ressemble à ton doudou parce qu'il est petit copine, il faut qu'on vous dise. Si vous suivez notre chaîne, peut-être vous le savez déjà. Mais Mamounette, elle dort avec un doudou encore. Oui. Et c'est un koala. Tout à fait. Il est trop beau. Trop chou. Tu peux regarder quand tu dormiras. Ah oui, bah oui, je vais dormir avec le Sylvania. En fait, je vais tout vous expliquer. Après de cette vidéo, papa va partir quelque part et après il y aura Bali. Oui, c'est ça. Le moment, je vais partir quelque part et après il y a mamie qui vient à la maison. On vous dit tout. Moi, je vais aller me balader et mamie arrive. On vous dit tout. On a pas de secret. On est transparent. Regardez, on ne vous voit même pas. Non, mais regardez. Je sais pas où je suis. Il est trop beau ce petit koala. Oh, moi je l'adore. Bah voilà, c'est mon préféré. Et son petit accessoire, c'est le petit panier normalement. Oui, il arrive. Je voulais aider Ellie, mais en fait, il est pas arrivé. C'est un petit sac de course. Un petit sac panier. Il est rose. Ou peut-être que c'est un petit sac pour passer des choses. Moi je pense que c'est pour acheter des choses. Regardez. C'est un panier d'osier. Bah oui, en shopping. Oh mignon, il a les petites hanches, on peut même mettre des choses à l'intérieur. Bon alors Ellie a décidé de revenir sur la saison précédente, pas Mamounette. La saison 3. Voilà, c'est la 3. La 8. La 8, non, c'est même pas écrit Mamounette. Oui, ça, ils appellent ça des séries en fait. Série machin, série truc, série bulle. Donc petit flashback, on retourne sur une ancienne série parce que je me suis trompée Mamounette. En achetant les sachets. Et ça, c'est habituel. Oui, voilà. Ça, c'est le 8. Et ça, c'est la série 8. Et ça, c'est la série 9. Alors, en fait, c'est. Il faut avoir au moins 3 ans pour jouer à ces jouets. Et il y en a 8 à collectionner. Et dans les nouveaux, il faut toujours avoir 3 ans. Mais il y en a 9. Car il y a ce fameux mystère en plus. Alors là, c'était les instruments de musique. Et là, il y en a 8. Donc là, les instruments de musique. On croise les doigts pour pas avoir le piano. Parce qu'alors le piano. Dis-moi pas qu'on a encore le piano. Non. Dis-moi pas qu'on a encore le piano. Parce que le piano, maman, tu t'en souviens? Ah oui, le petit chat noir. Six fois. On l'a eu six fois, je crois. Non, on pouvait plus. Énorme. On ouvrait. Ah, à nouveau. C'est le piano. On l'a ouvert à nouveau. C'est le piano. On l'a ouvert à nouveau. C'est le piano. On l'a ouvert à nouveau. Dis-moi pas que c'est le piano. C'est le piano. On a eu plein de pianos. Alors, dis-moi pas que c'est le piano. Piano. T'as encore est-ce piano que non, lui il est ouvert, ouais. Il t'en reste plus que deux maintenant. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pas le piano. Dis-moi que c'est pas le piano. Dis-moi que c'est pas le piano. C'est pas le piano. C'est pas le piano. Déjà. Je crois que c'est le petit bleu là, le petit lapin. Lequel? Le petit lapin. Celui-là là? Ouais. Oh, ça serait le tambour au lapin, Mamounette. Non, c'est pas ça, c'est le petit chien. Oh, il est trop mignon. Je sais pas si on l'a eu celui-là. Si, ça me parle. Ça te parle? Le petit chien avec l'accordéon. Attention, j'adore. Oh, quoique. Ça me dit rien. Il a un accordéon. Un accordéon. Hein, ça me parle quand même, l'accordéon. L'accordéon est tombé par terre. On va aller le chercher. Mamounette, tu sais ce qui est dur à dire? Panier, piano. Panier, piano. Panier, piano. Panier, piano. Il faut le dire très vite. Panier, piano. Panier, piano. Panier, piano. Je crois qu'on l'a déjà eu. On l'a déjà eu. Ça me parle aussi, hein. Yvette Horner, voilà. Ça me parle. Alors fais voir ma puce, tu peux nous montrer. Ah c'est ça, voilà Mamounette, c'est ça qu'on avait dit. Ce fameux piano. Ce piano de l'enfer. Et toi, je vois. Alors tu l'as trouvé? Oh, elle l'a trouvé, Ellie, regardez. On l'avait déjà. Voilà, on l'avait déjà ici. Voilà. Il est là, ton frère jumeau. C'est le frère jumeau. On l'a vu deux fois. D'accord. Fais voir quand même, il est mignon ce petit accordéon. Regardez, c'est super bien fait quand même. Génial. C'est Gilou avec son petit accordéon. Bon, il nous reste combien de pochettes? Deux. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on ouvre la avant-dernière pochette, Mamounette. On a un double? Ah, c'est un double? C'est vrai. Ah, Mamounette, on a deux fois celui-ci. Le petit ours avec sa glace? Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Il y a toujours plusieurs clients chez le marchand de glace. Tout à fait. Bon, bah, tu peux passer à un autre, mon cœur. On passe au dernier. Attends, je l'ouvre. Donc là, vas-y, ouvre-le. On peut dire que de toute façon, on les aura pas tous, puisqu'on a eu un double. En plus, il y en avait un qui était de la série précédente, donc il va nous en manquer deux. Donc là, on espère qu'on n'aura pas un double. Et moi, j'aimerais trop qu'on ait le mystère, quoi. Mais ce mystère, il est où? Il est où le mystère? Moi, j'aimerais bien voir le petit panda avec le popcorn, quand même. Il est super beau. On fait quoi du mystère? Il est où? On sait pas. On sait pas où il est, ce mystère. Bah, dis-moi que c'est pas un double. C'est possible. Hein. Parce que là, franchement, on a une chance de fou, Mamounette. Hein. Tout à fait.
On n'a eu que des différents. Ah, c'est un double, ma moulette. Il y a un truc qui est tombé, c'est pas ma moulette. On a le petit chat noir. On a encore le chat noir. Mais il y a toujours quelqu'un qui est en plus. Bah, il y a toujours quelqu'un qui fait des courses au magasin, donc c'est pas grave, ma moulette. Bah oui, bon, bah, on n'aura pas mon super beau panda, là. Regardez comme il était chou. Le petit chat aussi. Ah oui, le panda. Et t'as le temps. T'as le quoi là? Bon, les petits copains et copines, c'est génial. Avec tous ces enfants, toutes ces figurines, on va pouvoir faire un déménagement au poil. Toutes ces mamans, tous ces papas, on va pouvoir s'amuser. Bah oui, ils vont m'aider. Les petits copains et copines, on espère que cette vidéo très longue vous a plu. On vous fait de gros bisous, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, soyez sages, ça c'est très important. Allez, aidez-moi. On se laisse sur le papa qui, le pauvre, est très fatigué du déménagement. Allez, aidez-moi. Allez, c'est bon, allez, aidez-moi.